Le Seigneur soit avec vous. Et avec ton esprit. Élevons notre cœur. Nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Il est juste et bon, c'est notre joie de te rendre grâce en tout temps et en tout lieu, Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre. Tu invites les chrétiens à se préparer aux fêtes pascales dans la joie d'un cœur purifié, de sorte qu'en se donnant davantage à la prière et aux œuvres de miséricorde, renouvelés par ta parole et tes sacrements, ils soient comblés de la grâce que tu réserves à ceux qui t'aiment. C'est pourquoi nous te louons. Joignons nos voix aux anges et aux archanges, à toute l'assemblée de cieux, qui chante sans cesse cet hymne à la gloire de ton nom. Père saint et plein de bonté, dans ton amour infini, tu nous as créés pour être tiens. Et lorsque, succombant au péché, nous sommes devenus esclaves du mal et de la mort, dans ta miséricorde, tu as envoyé Jésus-Christ, ton Fils unique éternel, pour partager notre nature humaine, vivre et mourir comme l'un de nous, et nous réconcilier avec toi, le Dieu et Père de tous. Il a étendu les bras sur la croix, et obéissant à ta volonté, il s'est offert lui-même, sacrifice parfait pour le salut du monde. La nuit où il fut livré à la souffrance et à la mort, notre Seigneur Jésus-Christ prit du pain, et, t'ayant rendu grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant, « Prenez, mangez, ceci est mon corps. Livré pour vous. Faites ceci en mémoire de moi. » À la fin du repas, il prit la coupe, et après avoir rendu grâce, il la leur donna en disant, « Buvez-en tous, ceci est mon sang, le sang de la nouvelle alliance, versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Chaque fois que vous en boirez, faites-le en mémoire de moi. » Proclamons le mystère de la foi. Christ est mort, Christ est ressuscité, Christ reviendra. Dans ce sacrifice de louange et d'action de grâce, nous célébrons, Père très saint, le mémorial de notre rédemption. En rappelant la mort de Jésus-Christ, sa résurrection et son ascension, nous t'offrons ces dons qui viennent de toi. Sanctifie-les par ton Esprit Saint, qui deviennent pour ton peuple le corps et le sang de ton Fils, nourriture et boisson sainte de la vie nouvelle en lui. Sanctifie-nous aussi pour que nous puissions recevoir avec foi ce Saint-Sacrement et te servir dans l'unité, la fidélité, et la paix. Et au dernier jour, conduis-nous avec tous les saints dans la joie de ton royaume éternel. Nous te le demandons par ton Fils Jésus-Christ, par lui, avec lui et en lui. À toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire,
maintenant et dans les siècles des siècles. Amen. Le Christ, notre Pâque, a été immolé. Célébrons donc la fête. Les dons de Dieu pour le peuple de Dieu, prenez en mémoire de ce que Christ est mort pour vous, que votre cœur, par la foi, s'en nourrisse avec reconnaissance. Ceci n'est pas notre table, mais la table du Seigneur, et personne n'est refusé. Vous êtes tous chaleureusement invités à participer à la Sainte Communion, si vous voulez. This isn't our table, it's the Lord's table, and nobody is turned away. You're all warmly welcome to receive Holy Communion, if you would like to.
Prions. Dieu éternel, notre Père des cieux, dans ta grâce, tu nous acceptes comme membres vivants de ton Fils Jésus-Christ, notre Sauveur, et de nous donner le bon spirituel dans le sacrement de son corps et de son sang. Envoie-nous maintenant en paix dans le monde et donne-nous la force et le courage pour t'aimer et te servir dans la joie et la simplicité du cœur. Par notre Seigneur. Amen. Dieu éternel, écoute les prières de nos bien-aimés frères et sœurs à la maison. On se lève, we stand. Toute force en ce monde vient de Dieu. Qu'il dispose vos jours dans sa paix et vous accorde les bienfaits de sa bénédiction. Qu'il vous garde à l'abri de tout malheur et affermisse vos cœurs dans son amour. Riche de foi, d'espérance et de charité. Travaillez comme de bonnes ouvriers du royaume et préparez vos âmes aux joies de la vraie vie. Et que la bénédiction de Dieu Tout-Puissant, Père, Fils et Saint-Esprit, descende sur vous et demeure à jamais. Amen. Chantons ensemble notre dernier cantique, la croix dressons. We sing our final hymn.
allons dans le monde joyeux de la puissance de l'Esprit. Nous rendons grâce à Dieu.